Et donc, yo tout le monde, c'est AoKanadis, et donc aujourd'hui on se retrouve pour une autre vidéo. Donc je vais faire une petite vidéo conseil 5 parties d'eau. Voilà, donc la partie 1 était sur l'alimentation, aujourd'hui ça va être sur l'eau, voilà. Donc voilà, donc ce conseil ne va pas être très long, donc on va tout de suite commencer. Donc une poule peut prendre de 0,25 à 0,50 litres par jour, donc voilà, en fonction du temps. Donc là, faites pas attention au bruit, c'est mon coprama qui est en train de prendre du maïs, voilà, faites pas gaffe. Voilà, donc aussi elles peuvent avoir, il faut qu'elles aient accès en permanence à leurs abreuvoirs, donc ça c'est très important parce que les poules amagasinent beaucoup d'eau par jour. Voilà, l'eau doit être très propre et claire, vous devez nettoyer à peu près votre eau de tous les 1 à 2 jours, ça dépend de comment elle est. Donc là par exemple, il commence à avoir des traces dans mon eau. Alors pas tarder que je nettoie, voilà, comme vous pouvez voir par soi. Donc là demain, d'ici demain, là, je filme cette vidéo de soif, moi je change l'eau, voilà, simplement. Donc tous les 1 à 2 jours, ça dépend, quand vous voyez votre abreuvoir, si elle est selon si elle est sale. Voilà. Parce que les algues au fur et à mesure peuvent s'infiltrer dans l'abreuvoir et s'amagasiner. Enfin comme vous pouvez le voir aussi des fois dans les abreuvoirs, ça peut faire des algues. Donc il faut nettoyer aussi avec des éponges vos abreuvoirs tout simplement. Ça peut être, si vous n'attendez pas trop que les algues s'infiltrent, qu'il y en ait beaucoup au fond, ça peut être facile à enlever, mais des fois elles peuvent rester très facilement fixées dans l'abreuvoir. Voilà. Donc surveillez bien vos abreuvoirs tous les près tous les 1 à 2 jours. Voilà. Donc ça dépend du temps, s'il fait beau, vous pouvez regarder tous les 2 jours, si c'est un temps avec de la boue, il pleut beaucoup, tous les 1 jour, je vous conseille. Il y a beaucoup de vent, voilà. Donc c'est la fin de ce conseil, donc j'espère qu'il vous aura plu. Donc s'il vous a plu, vous pouvez liker cette vidéo, la partager, la commenter. Vous pouvez aussi aller voir ma dernière vidéo en cliquant juste ici, voilà, pour aller voir ma dernière vidéo. Et vous pouvez aussi cliquer juste ici pour aller voir ma chaîne YouTube. Allez.